Discret quand il s'agit d'évoquer sa vie personnelle, Stéphane Bern a cependant officialisé en 2021 sa relation avec l'homme d'affaires et anciennement DJ Yori Bayres, à l'occasion de la Gay Pride, soyons fiers pour ceux qui ne peuvent pas l'être. Être fier est un droit. Happy Pride, pouvait-on lire en description d'une publication Instagram. Depuis, le couple n'a pas hésité à afficher son bonheur sur les réseaux sociaux et c'est ensemble que l'animateur et sa moitié ont donc présenté leurs vœux de fin d'année dans une vidéo Instagram haute en couleur, publiée ce vendredi 23 décembre. On voulait vous souhaiter un très joyeux Noël et par avance une bonne et heureuse année 2023, a d'abord indiqué la vedette de Secret d'Histoire. Alors Yori, que peut-on souhaiter à celles et ceux qui nous regardent? A ainsi demandé Stéphane Bern à son compagnon. Et l'intéressé de répondre, comme d'habitude la santé, l'amour. Mais surtout la paix. Nous c'est ce qu'on essaye de faire, la paix, l'a interrompu avec malice celui qui a été affectueusement surnommé Monsieur Patrimoine par Emmanuel Macron. Et de conclure, on n'a pas gagné la Coupe du Monde de football, mais on avait envie de vous souhaiter plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre en 2023 et on vous embrasse très fort. Un message qui a visiblement ravi les abonnés de l'animateur. Joyeux Noël à vous deux, les amoureux. Je vous souhaite une belle fin d'année pleine d'amour et de bisous, a commenté un internaute avec enthousiasme. Supérieur à Laetitia Hallyday, Elodie Gossuin, Stéphane Bern. Découvrez le Noël des stars, il a le mérite de me supporter. Stéphane Bern est sur un petit nuage aux côtés de Yori, malgré leur caractère fort. Yori a des fantaisies qui parfois m'effraient, mais qui m'amusent beaucoup, avait confié l'animateur à Gala début 2022. C'est quelqu'un de formidable. Point, il ne me prend pas très au sérieux, ce qui est bon signe, avait-il assuré dans un autre entretien accordé à Ciné Télé Revue. Et d'ajouter avec malice, il a le mérite de me supporter. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Christophe Aubert via Bestimage.